you know, we are here to do well, because you know, in the qualification, everywhere we passed, everybody show us like a virus, like Ebola, and we are here for to do well for our nation, because the Guinea, everywhere now they talk about Guinea Ebola, and we have that one in our mind, and we want to do well to forget everything of that one, and that is our quality and our mentality. When we are on the pitch, we think about that, and that one push our team to do well, to fight with everyone. Non, c'est vrai que on a eu un moment difficile pendant la préparation, pendant les qualifications. Les matchs ont été déplacés, mais moi je peux vous dire que même sans ça, on aurait pu se préparer dans des conditions pareilles, parce qu'on avait à cœur de venir faire quelque chose d'énorme ici. Et on l'a bien préparé. Aujourd'hui qu'on est là, on a encore à cœur de faire le maximum, de continuer dans le même sens qu'on a eu dans la préparation, et que pour être là pour faire d'énormes choses, quoi, pour se qualifier en quart de finale. Bien sûr, ça, on joue notre carte à fond depuis le début de la compétition. Maintenant, aujourd'hui, on est toujours là, toujours en vie. On va disputer une finale contre le Mali. Il y aura une finale de l'autre côté à Malabo. Évidemment que ce sera un match à fort enjeu, forte pression. C'est également un derby, puisque la Guinée et le Mali sont des pays frontaliers. Cette équipe du Mali, on la connaît bien. C'est une équipe qui est toujours très présente sur les compétitions et passe rarement à travers. Donc, deux fois troisième sur les deux dernières éditions. Aujourd'hui, ils ont fait deux bons matchs contre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ils ont été rattrapés en fin de match à chaque fois, mais les contenus montrent ce qu'on connaît d'eux, une équipe très solide, bien organisée, difficile à manœuvrer, et avec des possibilités de faire des différences devant, avec Yatabaré, avec les frères Yatabaré, avec Sako, et avec l'inusable Seydou Keïta, qui est un joueur remarquable. We already were in a task group for qualifying, because with Ghana, with Togo, with Uganda, it was a tough group, and we had to fight hard to qualify, as you know. But during this campaign, we have success, and we have more confidence. We know that we are able to upgrade our level, and to balance with the great teams. So no complex when we came here. All the media says, okay, the favorites are Cameroon, Ivory Coast, Mali, and Guinea, maybe. We don't know. But we believe in our squad. I believe in my players. We have confidence. So we played all our game with a spirit, and it will be the same for the last game. Happen what happened, but we are here to fight until the end. Ils ne m'ont pas surpris, je les connais bien. Je sais ce qu'ils sont capables de faire. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'on est capable d'avoir un niveau de jeu qui nous permette, quand on est bien concentré sur notre sujet, qui nous permette de rivaliser avec des grandes équipes. Contre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est vrai que j'attends encore un peu plus des joueurs dans l'utilisation des ballons. Ça a été un peu mieux contre le Cameroun. Contre le Mali, on espère encore pouvoir hausser d'un ton supplémentaire notre niveau de jeu. Mais en face, il y a des belles équipes, donc, qui maintenant aussi nous connaissent un peu. Donc ça augmente notre difficulté. Mais en tout cas, ce groupe a du caractère. Il a montré sur les matchs. À chaque fois, dans les moments difficiles, on a réussi à tenir le coup, à revenir dans les parties. Le match est fait de temps fort, de temps faible. Il faut savoir gérer ces temps faibles et bien utiliser les temps forts.
We want to go so far. We are here to qualify for the quarterfinal. We know it will be a great performance if we qualify. Nobody expects us, and so. But we want to find now. We are at the last step. With one game against Mali, they also want to qualify. So it will be a final for us, a final of the group. But we have ambition. We are not here to play and see what happens. We are here to play well, to fight hard, and to qualify. That will be the case for the last game. Bah, déjà, comme le Mali est une très bonne équipe, on le sait, ils se qualifient toujours pour la Coupe d'Afrique et ils font de bons résultats, souvent dans le dernier carré. Donc, on sait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de pression comme nous aussi, parce qu'ils n'étaient pas attendus. Du fait que tout le monde croyait que ce serait une course entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire pour la qualif. Maintenant, je pense que sur le contenu des deux matchs, on n'a rien à se reprocher. Et les Maliens aussi, parce qu'ils ont fait deux grosses performances. On a peut-être pu avoir plus de points que ce qu'on avait. Maintenant, on va aller, on connaît bien le Mali, ils nous connaissent bien. On a l'habitude de jouer contre eux. C'est un derby, ce sera un match très difficile. Je pense peut-être sûrement le plus difficile des trois, parce que c'est une équipe qui nous connaît vraiment bien. Maintenant, on est à un pas de la qualif. Et on oublie tout ça, on met tout ça de côté pour se concentrer à réussir un grand match et se qualifier. Ibrahima, est-ce que vous imaginez avant le début de la... Moi, j'étais sûr, et je suis encore sûr qu'on se qualifiera. Sinon, ça ne sert à rien de venir si on ne pense pas réussir à faire quelque chose. Donc moi, j'étais convaincu qu'on avait notre épingle à tirer de ce groupe. Et c'est encore le cas. Maintenant, ça tient qu'à nous de réaliser un grand match contre le Mali et de faire ce qu'on a toujours cru qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire se qualifier. Yeah, the target is first to qualify for the second round. And then, I think every team will qualify after believe and have confidence that they can win the title. But first, we have to come out of this really difficult group. And as we say, yeah, we play some nice football, quality football, but it's not enough to come through. So now we have to match these two things, to play good football, but also to come through. Because playing good football, the fans are happy of what they've seen. But if we go home, everybody will forget that. So the most important for us is to win this game against Mali and to come through.